Bonsoir, j'espère que vous êtes madame Skenyos Tubozali. Lelo na ye to balsa mwa page mouke, meto tika la kana na scope ya spiritualité. So, comme majorité ya bato bozo landanga, boza, vous vous identifiez comme des chrétiens, parce que majorité ya ba Congolais s'identifie comme des chrétiens, right? Ou bien je dois dire les chrétiens modernes, parce que vous voyez bien que cette religion-là a été modifiée à quelques reprises. And so, christianisme, denge toyebeliango, n'est pas dans sa forme originale. Vous voyez? Mais avant, tokotano nyostwana, c'est mon souhait. Que podcast à l'élo concernant ce genre de masolo, ils allaient peut-être la dernière. Il y a beaucoup de konangai quand nous parlons de la spiritualité. Amen. Et ça, spectrum, talebele, you know. La Bible n'est pas un livre si simple. Well, il y a une simplicité, mais ça peut simpleté, you know. Il y a des mysticismes aussi attachés avec Bamasolo wana, on peut dire, c'est quoi le terme qui est nazoluka? Et il y a aussi mess, you know, mess derrière Bamasolo pe wana, right? Et ça, le cas, supposons, nazui, na changé nazui combo à Simon Kimbangu, na longo longo na pesie Charles Legor, right? Et puis na recopier tout ce que Simon Kimbangu avait dit. Sauf n'a que replacer tout cela na France. Maintenant, supposons tout cela na salango à une génération qui est far removed from quand Simon Kimbangu était présent. Vous voyez comment j'ai corrompu l'histoire, n'est-ce pas? J'aurais corrompu l'histoire. Et cette nouvelle génération là, bazala bazo tangango dans leur tête, barokanseke. Oyo tout ezali ba œuvre na maloba ya Charles de Gaulle, right? Et que l'histoire a pris lieu en France, et bla bla bla. Or, the original story est d'un homme noir, un homme africain. Et il a œuvré au cœur de l'Afrique. Tokani. And so, tout aussi dépend de qui a écrit l'histoire, qui a interprété l'histoire. On ne doit pas négliger que souvent, l'histoire a toujours été réécrite par les vainqueurs. Cela veut dire que si j'étais une Française blanche et que n'a vaincre, par exemple, le Royaume Congo et que je voulais voler l'histoire de Simon Kimbangu, well, nganazana advantage, you see? J'ai le moyen, j'ai l'autorité maintenant, je les ai vaincus et je vais corrompre l'histoire selon mon goût. Tolandi, hein? Histoire yabatu et bungaka. Il y a aussi deux manières une histoire disparaît, right? Bien sûr, au temps tout par force, comme guerre, invasion. Celui qui gagne, toi ibotoli toutes les lectures, par exemple que Simon Kimbangu avait écrit, to tumbi village naie, to bomi batu bazaki présent naie. That's one way. Il y a qu'à sécuriser que to effacer trace histoire wana na village naie. Na peuple naïe, et puis to kumbiango, supposons ici, dans ce cas, à France. So to kumbiango na France, right? De l'autre côté, ce qui que les gens du Royaume Congo n'ont pas le moyen, ya koza la keba garda ki, copie, ya leur histoire, right? Then ethically na mercy, ya ko folklore, you see? And so, nous aurons maintenant une histoire qui n'a pas de preuves. Que y a solo Simon Kimbangu avait dit, ou bien Sala Kiboye, et l'histoire comme qu'on dépendre na, et à la folklore, hein, et betami bouche à bouche. Right? C'est aussi vrai qu'une histoire peut toujours aussi survivre comme ça, mais de l'autre côté. Ceux qui, encore une fois, na divisé Batouana, na dislocate them, l'histoire est comme scattered, l'histoire est comme affaiblie. Parce que les mêmes gens, par exemple, il y a village, il y a tribu, il y a Simon Kimbangu, ceux qui sont là-bas, par exemple, na Kasai. Et ils sont maintenus là-même 50 ans après.
Là, il y a quoi? Deux ou trois générations babotamiana, n'est-ce pas? Supposons à l'âge de 20 ans boboti, 40 ans wanape. Donc, you know, so nous total au moins deux générations, right? By the third generation, la même histoire est comorphe et qu'on a modifiée par la loi seulement de la nature. Tu okani? Parce que les originaux témoins, les témoins originaux, bazawanate, je les ai tués, je les ai dispersés. Et j'ai pris les preuves tangibles et j'ai laissé l'histoire na mercy, ya oral. Et quand j'ai encore déplacé les gens ou quand j'ai mis certaines distractions dans leur tête, avec les années, l'histoire devient corrompue. So, le temps est comme Kobetama, 100 ans après. S'il n'y a pas de preuves à l'écolier, directement ce que Simon Kimbangu avait dit. Nous avons 1000 chances que l'histoire de Bandobet n'est plus na genre naïe originale. Elle est corrompue. Tokani. Encore une fois, Mukile Tambola Kabongo. On a pris cet exemple que si j'étais par exemple de France et j'ai utilisé Simon Kimbangu. Même Nabiso Moko Batula race humaine. Nous ne sommes plus la majorité de la race pure. Ndenge, nous étions créés. Hein? Comme souvent dit qu'il n'y a plus une race pure comme telle. Ils existent, I'm sure. mais dans la minorité, right? Donc, comme on a dit, nous sommes dans un bâtiment clair. Ceux qui ont été à l'Aden, beaucoup de gens qui ont été à moi, je suis à la Tchèque République. Beaucoup de gens qui ont été à l'Aden, beaucoup de places, on dirait, à l'Aki, Banélotique, Bautaka, Sénégal. Beaucoup de gens qui ont dit les Native Americans, on dirait China, les Soudan. Omoni. And so, well, I suppose Soudan, na, Sénégal est dominé, right? So, on verra quelqu'un noir par l'apparence, mais na katina ye. Right? Makila, ya, ba peuple, msona na otiko tangeza quelque part, na katina ye. Teokani? Et qu'on modifie un peu la personnalité, le caractère Yamutuana. Oui? Parce que la personnalité Nabiso, y compris l'intelligence, right? Et ça aussi lié na biologie Nayo. You know? I mean, il y a un lien, par exemple, ceux qui papa noir a l'air intelligent, donc comme on n'a pas à maïele. Right? Ceux qui papa IQ, ils ont l'air qui. 20, comme les parlementaires au Badirja Congo. Donc, moi, on a peur parce que un parlementaire au papa n'est pas avec un IQ à 20, ne peut que produire un parlementaire qui a le IQ de 20. Et un peu que fonctionne, peut-être qu'à part les gens avec le IQ de 20, on ne va pas s'attendre à un Congo devenir comme l'Allemagne quand le Congo est dirigé par un groupe qui a battu IQ à 20. Right? Donc, il y a toujours un lien. Non, hein? Kasiango, il faut bien choisir avant que ne bute na mututi. Bino bosala ka ba examen ba kotala ba maladie, ça la peur c'est important, mais il faut pas kotala ka ba generic si abato, you know. Koza na ba gene mususu, mtakoya ko botisa yo mwana ya bijengu, you know. Et puis mwana ya bijengu akoli chance de loko pamba, ako koma président lobby, ako koma parlementaire lobby, vous allez vous retrouver avec muta bijengu en train de vous diriger. Et puis, vous voyez que le Congo a un don particulier de se retrouver toujours dirigé par le groupe Yabatababijeng, n'est-ce pas? Congo n'a pas eu de maillet l'été, il y a qu'au diriger Yango. Ça, tout le monde a dit hein? Tu deviens moi le seul, mais c'est aussi une vérité. Il y a deux machines, et quand il y a ta macolo na Congo, tes machines ne sont pas à partir à l'aéroport. Et ces machines détectent à l'okuta. Na machine ya kosepesa bato ba examen ya ba IQ. Oya ko detecter lokuta ko banda kaka na PDG ya immigration na aéroport na ibi kutete aiguille ko kende mza bang 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 aiguille zo reconnaître les sous kutu résultat te. Oyo bo pesa mtu IQ test ah. Na mutu asalaka test wana ko reconnaître ba résultat té o ya zomona. Donc au moins tebi que les deux machines les cogne tata makolo na Congo te po. Et ko sala histoire ya sika dans le monde.
Tozongela makambo na biso ya spiritualité. So bandeko na ngai, bomoni ata tomekana ko gardango nanu kaka basics. Bozomona ba makambo tu bozomona ka lelo, jina landaka ba réaction. D'abord, soko ki muto ayebisi yo, il faut tokende kosambela na église toluka elongi na Nzambe. Yeba boye que tu as en face de toi quelqu'un qui est soit bébé spirituel ou bien zana kan diabolo. Je me répète. Soki muta ebisio, toke na église, toke ndo luke longi na Nzambe, tu as en face de toi kadiampemba ou bien une espèce d'un bébé spirituel qui n'entrera pas dans le paradis parce que Dieu n'a pas le temps yabato bazaka na ba IQ ya ba 20 spirituellement. Ouais, il faut que vous allez payer aussi spirituellement, mais les actes physiques, you know, spirituellement on grandit aussi. Ce qui est esprit, non, ils allent quoi évolue, you know. Tous ces avancements qui battent, la nature évolue, l'évolution ça la marque sur toutes dimensions. Si vous savez qui est mutu, oyena mukili am esprit, non, ils allent qui na niveau mokoboy. 20 ans après, esprit, non, ils allent qui na niveau wana. 30 ans après, 50 ans après, ils ont ça l'évolution, ce n'est que l'homme physique qui est mort, mais ton esprit doit retourner ici, tu es stuck. La troisième dimension qui est nulle part. Quand on a répété le cycle, il y a dimension terrestre, pour milimo, et ça, l'évolution est. Bon, tu tiens à nous à côté. Pour beaucoup, tu n'as well, yeah. Imagine ce que botama qui me la kaka biberon au lieu ka potopoto 20 ans après ndeka ka bongo lia ka batutu ba komono nani oza kiol n'est-ce pas? Well, imagine ce qui oyé na mokilo yo yo esprit na yo et ça la ka évolution té. Of course tu es kiol spirituel ngi baba lo bango ndenge nini. Well, yeah, kiol les aka na physique té kiol spirituel pe bazalaka, right? Okay, sikoyo. Soki mutalobi na yo, toke ina iliglize, toke ndoko luka ilongi na Nzambe, aza mutumalamu te. Po soka zata kiol spirituel, omwene azo serviryo na ilo kote. Soka zana kanka diampemba, aza dangere pour toi. Hein? L'adresse de Dieu, esika yo koko kendo luka ilongi na Nzambe, soko zalaka na posa kaka ya komwene loko moko tangible. Right? Telemana libosa ki talatala na yo moko, mitala. Si tu es na kati ya religion chrétienne, eloba kinini, Bible kune lobi nini. Créons l'homme à notre image. Boete, à son image, il est créé homme et femme. So tangi na deuxième verset, nani chapitre, ya livre Genesis, ezala soko ko accepter cette création là, ya le Seigneur Dieu na kati ya jardin d'Eden, azuzelo na ya sali potopoto, sali muto, ya salaki. Il a soufflé en cet être-là quoi? L'esprit. Et cet être-là était devenu être vivant. Tu vois, Kani? Esprit, mou pépé, c'est la même chose quand nous parlons de la spiritualité. Bozongasuna chapitre 1. Et l'esprit de Dieu se promenait sur les eaux, right? Dans un autre mot, Dieu s'est manifesté sur les eaux comme les vents. C'est ça ce que ça est en train de dire. Tu vois, Kani? Et même quand il allait se promener dans le Garden of Eden, il était toujours comme le vent, right? Nul n'a vu la face de Dieu comme telle. Même dans centre Nabiso, là je parle de nos ancêtres africains particulièrement, tant que Bazali ko bengaye Amun, oh le lobo bengaka Amen, tant que Bosambelaka, Amun veut dire the hidden one, celui qui est caché, right? Parce que nul n'a vu sa face. Tu vois, Kani? So, Outa, Bukibukoko, Nabiso, right? La croyance était que ces dieux étaient invisibles. Il était caché, mais il se manifeste comme Moupépé. You know? On peut entendre sa voix comme le tonneur. Il peut, Moupépé, ne koko, zaleos, ezore, mieux, l'icolé, abamaï. Il peut se manifester comme le feu. Et le feu, ezalié, nara, le soleil. Souvent beaucoup appelé Koyoka Amun-Ra. C'est Dieu caché par son esprit et sa force. Il a aussi créé la plus grande étoile et énergie et sa source à vie. N'abuse pas de reconnaître comme le soleil. Boite, c'est chaque fois que nos ancêtres battaient Moï, ils étaient rappelés de cette grandeur. Il y a ces dieux-là. Right? Pour ceux qui ont été en classe,
bo raisonner nan que ce que tolongoli moi bino bomoni humanité ko suka wapi et une humanité ko tuka kate univers na biso e ko suka wapi ce qui tolongola ki moi donc bakoko na biso bakenda ki na bango na ba université très avancée mais ba comprenaka déjà que le soleil était une énergie nécessaire qui a gardé tout objet dans notre univers à sa place. Et Bissopéawa, sur cet objet que nous appelons la planète Terre, notre maison, pour Nabissopéawa Homo sapiens, que le soleil est allé copier cette énergie nécessaire pour na crops et bota, Bissopéawa tout à la Kamalamu, Toyokani, so, ils ont toujours vu l'importance ya Moïwana. Right? Donc bon monique, et lo kwa sika mundela ki ko apprendre biso ezate. Peut-être lo kwa sika ka mundela sala ki zala ki alongoli titre wana ya Amun-Ra a remplacé ngona le Seigneur Dieu atiki ango bongo. C'est toujours des titres, oui. Amun aussi est un titre aussi. Mais un titre ezali plus na signification que dire seulement le Seigneur. Tu veux kani hein? Are you serious? Well, my bang and use of Koya Koya and I said, this is horrible. Anyhow, so, ce créateur-là suprême qui avait tout créé par son esprit, l'a causé toutes choses à l'existence. Son adresse n'est pas dans un bâtiment quelque part. Son esprit est en toi parce que il t'a causé à devenir être vivant quand il a placé son esprit ou souffle naïe in you. Toyokani, yango bomonaka par exemple, il y a certaines choses, ce qui osalika kabweko koyelo ba mababe historique, right? Neti, bomonaka te neti ce qui osaka kolamuki olamuka ki ozana bandoki ba lokayo na vie. Batinda yo milu kila mababe yo moko, parce que Satan pa pousa kape moutoua pousa, asa le loko pepe sa kanza mekanda, n'est-ce pas? Ok, supposons si ko yo, olamuka ki, Satan kana ki yo. Atindi yo, opose akte ya mabe, po milu kila mababe. Po, yo, il faut poser akte ya mabe, po Satan zala justifier, pourquoi il faut no kilo malheur. Well, yeah, nde bongo marchaka, n'est-ce pas? Ou si tu es dans la présence de Dieu, sa le loko te Satan, a quoi osa le mabete, il n'est pas justifié, right? Il est justifié tant que yo, aux autres désobéir Nzambe au sein de ma famille n'est rien, right? Bon, anyway, supposons l'aller la muki Satan kanaki au mukolango. Yo na buzo banayo au tomber na piège. Aux yeux anxiants, au décider ok kako kataka kanzete ou abattre kaka kanzete. You know, au bouquin de toi na ponani, no katiango ponani, right? So que zala kite ko etenga mi ezo pose danger nete ko ko enanda kunayo. To, hein, donc, il n'y a pas une explication oh, que cet arbre-là devait être abattu. Right? N'est-ce pas même aux États-Unis, you can just cut down a tree like that. Surtout, quand j'étais vieille, Iwana. Non, tu dois, il faut que dans un municipal building, tu as un permis, tu dois donner des justifications. Right? Parce que Amun, par son esprit, quand il a tout créé avant même à créer moto, l'arbre nous sert na makambo ebele oxygen carbon nini za kadaxer bi manaxer bi no batu tangi nyosto na kaka nzete nzete zali ko protéger biso contre les rayons directs du soleil nzete pe barasi nango protéger kana ko garder la terre ensemble right ce qui te bandi ko longola longola banzete to ko za na problème ya ba érosion de gauche droite right so we need to have barasi wana pour na ko garder soil together. So, à part peut bien sûr que bote la biso ba fruit malamu pona tolia, tozala na vitamine C na nzoto, right? So vous voyez, ezali ko se débarrasser na mpepe malamu, ya mabe, ezali ko aider na mpepe malamu, ezali ko protéger biso contre les rayons directs ya soleil, ezali ko pesa biso ba fruit, oyo tokolia, tozwa ba vitamine nécessaire, ezali pe ko bate la mabele ezala solide. Tokani? Mais qui était le premier homme qui a oya sala ki arbre? Mutoya kande kokuta arbre selon l'histoire de la créativité. Tokani. And so spirituellement, ce n'est pas une bonne chose de la lo la mukyo ki ka ko battre l'arbre, right? It's not a good thing.
bakoko na biso kutu bazalaka ya moko kofanda na basi ya nzete pour des réunions très très importantes. Tolanda, yeah. Not to mention que, you know, même the forest, baza pe sou guardianship, you know, spirituel aussi. And so, anyhow, nazol bako mouni soko sali akta bongo, par exemple, lali kako la mouki, satana kosi yo desido ki kako kokata nzete wana. Sala sa devient péché. Omoni, mena ke tu a péché, mena, mababe koko sa komela yo, well, ma babe fo lando parce que yo ozo kende ko temper avec la nature, tu n'es pas dans le droit, ta vie n'était pas en danger, qui es-tu pour na oyaka ko battre nzete zala ki vivant, you know, ce qui peut makasa pe kumisa ka nzambe, on ne sait pas. Mais toyebi ke atake ngwana na tina, yo la muki yo kyo kati yango. Maintenant eko ya pe na ba conséquences. Lobi ce qui ne ko na banjo ko ma pe na problème ba asthme, pe ma mukuse, to ba cancer de peau comment ko ye la biso de gauche droite. Et ma bronchite pa iboye, nyonstwana l'absence de cette protection la mi pepe komi trop kilo, right? Not to mention ba pollution aussi, right? Mais o mante ke yo sale lo kamabe, parce que amun asala kyango po na ko beneficie biso, po ko kendo ko retrouve nzete na nani na Jupiter te. Asala kyango parce que amuna ki kendenga sale le biso na watu na sur la terre, nzetez a malamu pona biso. Tout ce qu'il a fait était bon. You know. Asala ki rareté. Mais ce que yo kati yango, yo za spirituellement za kon. Omoni, eza, ozomi luki la bakambo, right? Ah, quoi d'autre je tente de dire? Tout ça là, bon, okoki po katango, tu ne comprenais pas le ko sala, mais, wuta ki buko kona fisa bako ko baye baka, ba implication spirituelle a bloko tu wana, you know? Ah, quand tu commences à surtout quand tu touches nature, tout ce qui est même terrestre, même mabele, you know, I mean, you just can't go around as a tumbolaka mabele just for the fun of doing that, you know. Quand tu touches la création, la nature, you really have to be careful. Parce que kosa la likambo inonsama, mais en fait, ozo ko déclencher amen ya mabe, na acte opposé, right? Tolanda. So tu vois que lokola nyonso tuana amun notre Dieu ezala plus tard ben ko benga ye el benga ndengo munyo benga mais ça ne change pas que je pense que Seigneur toujours s'adresser na même zamba na kreaka nyonso et tango pasali yo mutu il est en toi tokani toko kende plus tard King David Bible benge le roi selon le cœur de Dieu. Alinga ki atongela nzambe temple. Nzambe lobite, yo kotongela nga temple te me mwana na yo. Boyebi King David azaki na makila na maboko, c'était un guerrier. So vous voyez, une église bâtie par l'homme, right, n'est pas nécessairement, comment on peut dire, ton intention peut être bonne, mais lobite que Dieu a accepté. Et loko yo sali. Ça, il ne faut pas botia ka confusion na makambo. Il rejette certains sacrifices mutu asalaka. Butanga ka Bible malamu. Toko banda même na Cain. Cain a yaka pe na ya offrande, mais c'est Dieu l'avait rejeté offrande sacrifice ya Cain. So King David, l'homme que c'est Dieu l'a beaucoup aimé, mais a rejeté ki offre ya King David ya kotongela ye temple. De l'autre côté, King David azotuna, temple ni nakoki kotongela yo qui est si grande pour contenir ta grandeur. Nauti kolobela bino pendant presque 20 minutes. Ici, tozobeta masola tout l'univers. Ye mutu a créé ngonyo par son esprit. Siko, yo mutu yo moni na calcul na yo. Temple yo kotongela yo, moni ozanon mesure nini. Pour to tongi temple banda de tous les quatre coins de la terre, quatre temples yo tongi. C'est bien, mais ça, ce n'est qu'une seule planète. Or, il y a combien de planètes dans notre univers? Il faut que chaque planète qui est dans notre temple pour unir en tout. On a peut-être maintenant contenir l'esprit à Dieu le Créateur. C'est pour dire, dans la Bible, il dit que God has no respect of a man. Dieu n'est pas impressionné dans la Bible qu'on a l'ingé ça pour impressionner en right? C'est vrai, il juge l'intention. Mais encore une fois,
Ce n'est pas parce que ton intention est telle, même quand ton intention est bonne, Dieu a plusieurs fois une raison pourquoi rejeter intention ayo. Kain azwaka ba fruit na yuti na mabele, or mabele uteki koza la maudit à cause ya masumi ya papa na ye. C'était très tôt, Dieu avait rejeté. King David azaki na makile bele na maboko na ye. Nzamba kokaki kondima sacrifice na ye wanate. Tozokana. So il y a toujours une raison derrière. Ba raison mususu pe ko kozala na ka King David, c'est lui-même le sang c'est dans ses mains. Mais na quand il y a Cain, le péché était commis par son père. Tozokani. Encore une fois. Tomona King David azaki no obéissant, ye ake ko luka ko kata batu ba mitute po nzamba boya tonga temple. Ken kuna azoki onction ke ndoko kupanza crâne ande ko na ye po nzamba rejeté ye. You know, mais nazo utiliser comme exemple illustration, n'est-ce pas? And so, oh, avant que j'oublie, ndoko moko ba qu'une femme ne peut pas prêcher. Blablabla. Bible n'a pas baiké vers le temps de la fin, je prendrai mon esprit dans vos fils et vos filles, ils prophétiseront. You know? Les femmes existent depuis le commencement des temps. Ce que tu as un problème avec nous, les femmes, I don't know. Mets-toi à genoux, Seigneur Nzambe, aboua kastiko sola, na basia se révèle à kate. La manière dont je lis la Bible, même Rebecca, c'est elle qui connaissait qu'en elle, elle portait deux nations, le plus petit dominera le grand. Nani, Mary, ange, mtaki, le fils, on lui appellera Emmanuel, le prince de la paix. Anna, je pense, la maman des prophètes Samuel, you know. Je pense à Kentucky na présence de Nzambi. I can't remember the whole story. So, oh, Rebecca, non, non, pas Rebecca. Deborah, Miriam, Bazaki, Toko, bien, allez, ma prophétesse, you know. So, of course, Dieu utilise les femmes pour aussi envoyer un message, pour se manifester. Right? Je pense que c'est basé dans le Paul. Et puis, Paul est ma seule Nouveau Testament. Ça, c'est un autre débat, ok? Roi Constantin avait modifié le Nouveau Testament. En fait, toute la Bible, en fait, a connu, c'est quoi le mot, Nazoluka? Modification, mais avec l'Ancien Testament, c'était très prononcé. You know? Ceux qui ont conduit la Paul, on dit le Paul. Mais tu as utilisé comme facteur le bon sens. Hein? Paul Tangabi n'est pas bon qu'une femme se tienne devant les hommes pour prêcher. Il n'a jamais dit que Dieu lui a dit. Paul écrivait les lettres dans les différentes églises. So, je suis en train maintenant d'interpréter le texte selon mon interprétation. Je ne vous ai jamais dit que parole directe venant de Dieu. Non, il faut faire la part des choses. Mais Bozyango lokola gospel obanda koloba basi bakoki koloba libosanibalite parce que ouais c'est sur les écrits oui mais les écrits n'étant pas dit que Dieu a interdit à la femme de se tenir devant les hommes so il faut kokola nde na Bible yango bozomona bazoko sodomisaka bino parce que nebite boliboyi ko sa l'évolution spirituelle et ça un grand défaut un très grand défaut. Quand on ne veut pas grandir spirituellement, on finit par être déviergé et sodomisé par les pasteurs. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, tu es à côté. Hein? Même Jésus est entouré aussi par les femmes. Oui. Parce que tu ne peux pas dire, oh, Jésus était le fils de Dieu, mais le fils de Dieu, il est aussi entouré par qui? Par les femmes aussi. Il fallait qu'il y ait abandonné un exemple à Boya, à Basibaz, à la Capenenaïe. You know? Et puis, tant qu'un jacquet qui apparaît, pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? C'était aux femmes. You know? So, je pense que Nzamba, ma maman, a linga kabiso, a utilisé kapé biso. Pourquoi il y a une bonne qui a diable a utilisé kabasi? N'est-ce quand une femme prend l'avion pour traverser les océans, pour aller se faire dévierger et sodomiser et faire les sexes oraux? Ça, c'est le diable, il a utilisé la femme. Mais de l'autre côté positif, il y a les femmes aussi qui sont intelligentes. Inspiration. Espérons que beaucoup de conseils, parce qu'une femme peut bâtir toute une société. Quand la femme va se faire sodomiser, on va reconnaître. Mais quand la femme parle intelligemment, oh, la femme ne peut pas prêcher.
Il faut être normal dans la vie. Il faut être normal. Biso to bo kende na biloko na po bazo kende ko sodomiser basi. Ah, ba ok, diverger basi, bazo kende ko sodomiser basi. To kende soute. Ba vaseline nyo se limo na magasin. Bon, je tente de dire quoi. And so... Sorry, il fallait qu'il n'aime la coca. Il fallait qu'il n'aime la coca et salinga bongo. And so, you see, ça c'est aspect moko. Yami balé. Et lo konyoso etongama na Bible. Toute construction tangible, right? Vous remarquerez que le premier concepteur, c'était Dieu lui-même. Parce que c'est lui le chef architect of everything, of all. Ndeto banga kena anglais, the creator of all. Kobanda na tabernacles, c'est lui qui donnait the measurements. Bokotonga wa cubics boye. He's the greatest mathematician. Parce que jusque là, formule na ata moko e bafwa te. Everything he made it perfectly. Eza la tango azali kopesa Noa, inspiration kotonga masua, the measurements came from him. Eza la King Solomon, tango ifotongelaye the temple, the measurements came from God. So, je suis en train de dire que c'est Dieu qui inspire dans l'homme. Sokazana posa otongelaye et temple. Et quand c'est Dieu qui inspire, il donne the perfect measurements. Parce que ce qui botangi Bible nyans tout, Dieu n'a jamais inspiré loko halfway through. Tout ce qu'il donne comme inspiration, calcul nyans tout zalaka bien, it will be perfect. Ezala maswa ya Noah e bandaki ko inonde pété. Right? He held on perfectly pendant 40 jours. Concernant le temple, though, il permettait la destruction des temples quand Israël permettait les statues de banzambe étrangers nakati ya temples construits sous directive de Dieu. Quand le temple de l'Éternel devient corrompu, Dieu détruit le temple. So, tout temple qui se tient, oui, ce bâtiment-là se tient pour appeler, honorer Dieu, but est-ce que réellement dans ce temple-là, Dieu est toujours honoré? Un temple qui cesse d'honorer Amun, un temple qui cesse d'honorer El, un temple qui cesse d'honorer le Créateur de tout, est un temple le colaïez en l'oba qui je peux détruire et rebâtir un autre à sa place. You see? Naoti koloba. God has no respect of a man. Totali ko impressionneye na ba grosse construction na biso te. Ce que lui il regarde. Na temple na yo tangu, admettons qu'ape su inspiration. Na mathématique, clairement il te donnera aussi le moyen. Otonge liye temple ki toko et tout. Mais est-ce que vous continuez ya observer mibeko na ye? Et chaque fois qu'un temple était construit, il a aussi donné les directions comment vous allez prier. Na monde ya le toko le baba séance de prière, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous allez continuer ko respecter yango? Quand vous déviez de ces instructions, est-il toujours dans ce temple-là? Est-ce qu'il remplit toujours ce temple-là avec son esprit? Non. Ça devient un bâtiment déserté, toko koloba, parce que si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, abandonné par Dieu. Vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu de l'autre côté, quand on a occupé de détruire l'esprit et le corps, il peut aussi rejeter un temple et détruire aussi un temple. Donc,
Ce qui est important, c'est au-dedans de toi. Ton corps, c'est d'abord le premier temple de l'Esprit de Dieu. Qualité âme nayo eza d'abord comment? La qualité de l'énergie qui t'entoure, autrement appelée la force, autrement appelée l'esprit, qui te dirige, qui est lié à ton âme, cette force-là, elle est comment? Ici. Ce que tu es physiquement dépend de la qualité de ton âme et la force qui est attachée à ton âme, l'esprit. Parce que c'est là où tout commence. Et ce qui ton âme et ton esprit n'est pas en communion avec l'esprit de Dieu. Attends, telemio ganga buja 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 ashandala bashambala bore bore bore. Ce n'est que ça, bashandala bashambala na bore bore on a ozokoloba. Dieu n'est pas dans ton affaire là. Parce que yomoko mutuna nukutu ayebi yote. Tu okani hein? So sokyo ki mutalobi to keko lukelongi na nzambe. Na oti koloba. Yango bazo kende ko sodomize bino. Bon matisse libiso pri ya ba vaseline na ba magasin. Pona raisonnement ya kote ngama. Ozali ko kende ko luka nzambe wapi. Si ton cœur réellement tu es disposé na nzambe. Na oti koloba. Mitala na kati na yo. Toyokani. Je dois aussi souligner l'autre une autre chose oh, qui échappe à Kabino. Nulle part c'est l'homme qui est allé chercher Dieu ou aller vers Dieu. Botanga sous Bible malam. Il dit avant la création de la terre, je t'ai formé, je te connais, je t'ai appelé par ton nom, right? Parce que avant que toute chose arrive à l'existence, son esprit était. Et c'est par son esprit qu'il a manifesté la vie dans l'homme. So, exacte posa vivant natur oyo, que ton âme, ton esprit a seulement été créé avant terre et sa forme, avant placer banzete na mabele, pour na yoko kakobuka ba fruyolia, avant tia bambisi na banyama, pour te servir, ayeba ki déjà ton âme. Toyokani? Et ceux qui sont choisis par lui, baza déjà connu avant la manifestation de l'homme physique. Il y a une différence entre tu n'es pas encore, donc ton esprit n'est pas encore réveillé. Encore une fois, même cet apocalypse-là spirituel, c'est toujours Dieu lui-même qui, oh, y a ça la initiation et apocalypse. Ici. Ce n'est pas Moses qui a cherché Dieu. Moses ne connaissait même plus elle, Amun. Il ne le connaissait plus. Moses était sous l'ordre spirituel de Pharaoh. Tolanda, Amun, elle, s'est manifestée par Moses. Saïbissier, je suis le Dieu de tes ancêtres, je suis ton Dieu. Tolkani, Ndengo Kuta Nakanamto a chanté, Oyfi Muto a chanté de vous connaître, moi je m'appelle, moi je suis tel. Et ça parce que Moutouana yebi yote, ndozali ko se présenté par Moutouana. Toyokani? L'enfant Samuel, le prophète Samuel, quand il était enfant, a eu ki bazo bengaye. Ake yiko tout na prophète Eli, obenginga, prophète alobite. Toshite, troisième fois, il sait que soko ki souvana loba, oui Seigneur. Je m'arrête là un peu. Rôle ni prophète Samuel a joué dans l'histoire de la Bible. Il était le prophète très proche aussi de King David. C'est lui qui aussi allait oindre King David. You see? So because of King David, prophète Samuel était déjà préparé. Donc, tout le batangu, tu n'as pas ana bota katazana ki ekombanaye. Zamba sa monaka ki yora un King David qui viendra. Et le prophète que je vais utiliser pour nous rekendoko wendreye sera Samuel. A utilisé Anna as a vehicle pour na physically abota Samuel. Mais le travail de Samuel était déjà tracé avant la naissance du prophète Samuel. Toyokani, rolo ya eko joué na mukili oyo. Sondo moni azan mwana mukie zambe azobengaye.
non? So, ce n'était pas le renvers que Samuel, prophète Samuel a dit yo, ah, Nzambe na yeko lukelongi na yo, papa na yeko mipe sepai na yo. It don't work like that. Parce que la raison pour laquelle le prophète Samuel est venu sur la terre, c'est là qui pour nous aider à diriger un grand roi d'Israël qui naîtra aussi. Toyokani, that was the purpose ya prophète Samuel. Toyokani, non? So, chacun de nous, oh là, je m'adresse à Bao Baza Nzambe. We are here, tozana ba fonction, each one of us. Yako jouer. Yangwanomoni, in this lifetime, purpose oyo le divin tindelo nango dad. Ça, c'est la raison pour laquelle tu es ici, in this lifetime. Tu l'as dit, hein? Et cette responsabilité-là, t'était déjà attribuée avant papa, nona, maman, noba, lingana. Tu yo kani? Awa nazo sola na baoyo ya Nzambe. Arrêtez de tomber dans les pièges de Tokei Koluka Nzambe. Ça, c'est un langage de quelqu'un qui est séparé de l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas illuminé spirituellement. Quelqu'un qui n'a pas encore entendu la voix de Dieu lui appeler. Azana ba confusion spirituelle, azo kendo Koluka Nzambe. Muto akendaka Koluka Nzambe te. Il le dit même plus tard, ce n'est pas vous qui êtes venu vers moi, c'est moi qui me suis révélé en vous. Ngai moko pe mamulu bana pe sebino ba exemple maint fois que yoza papa. Supposons que tu na salba na bazar to tia 100. O gangi hey! Bana nyonso ba ko baluka po ba yoki mtu a gangi. Ba yoki mungonga mobile a gangi, right? Mais ba oyo ya yo. Ba koloba je pense que papa m'a appelé. Bon, ya yote bakoloba, j'ai entendu quelqu'un crier. Ou bien quelqu'un seulement crier dans la salle. Okinde balobi. Donc, oh ya yote koba, j'ai entendu un homme crier, quelqu'un crier. Oh ya yo koloba, on dirait que j'ai entendu la voix de papa. Quelle est la différence? Et pourtant, yote lem na salle. Ba na baza ebele o gangi. Parce que ba oh ya yo, moi no ya yo, Ayebi voit ya tata na ye, atana se ya pongi. Parce que le 9 mois qu'il a fait dans le ventre de sa maman, toi, tu parlais tous les jours, n'est-ce pas? L'enfant aye na mokili, ayebi voit ya papa na ye. Donc, avant moi, na botama, ayeba ki déjà ko reconnaître la voix de son papa. Et toi, tu as coûté que tango botama, bandam, me mabebo, tiens, na tolo na yo, ayo kaka tango lobaka. À cette étape-là, moi, j'ai enregistré la vibration de tes vocales, right? Le battement de ton cœur, l'enfant te connaît. So, tango lo, o gangi, hey, moi, j'ai reconnaître, on dirait, papa, ça c'est la voix de papa. Oh, yo, ya, yo, te, aza, moi, na un, c'est la première fois même, ayoka, mgo, mgo, tango, yo, ganga, kiwana. Yango, moni, les réactions, c'est deux réactions différentes. C'est la même chose avec nous aussi, avec Dieu. Bao ya Nzambe. Nzambe, ça y est, bakibiso, avant. Cette vie ici que tu es n'est pas la première fois que ton esprit existe. Non. Tu as existé way before. Tu vois, Kani? Et Zandeli Kambuya, tangungonga kokaka, maintenant que le temps arrive, c'est là où Dieu maintenant. Agangaka, toi koloba, et loko moko na kati na yo dans ton esprit reconnaîtra la voix de Dieu. C'est simple que ça. Ba na bayoki ogangi. Ba misusu bayoki kakon dire, quelqu'un a crié ici. Est-ce que tu as entendu ça? J'ai entendu la voix d'un homme. Oui, moi aussi j'ai entendu. Bazana babouli eke na bango. Misusu kutu bakotele mabake ndoluka. Who was that? C'était qui? Nde ba ok ba kretion ba kendaka, toke ko luke lungi na Nzambe. Paske baza konekta avec l'esprit de Dieu te. O ya yo, ako telema, directement zo ya direction na yo. Papa, j'ai entendu ta voix. Ou bien, oui papa. Te okan bande konanga, c'est la même chose. Sa mwani mouta lobi, toke eglise to luke lungi na Nzambe, aza loko la mwana yo ki moutu kaka ganga ki. Maza na confusion e mental. Parce que ceux qui sont connectés avec Dieu,
anga kaye bake, ozo kende lukole kanzambe wapi, quand Dieu est en toi, mais pourquoi zoe bate qu'il est en toi? Il ne s'est pas encore révélé. Nanu a bengi yote. Détail msus boko remarqué. Chaque fois que Dieu a appelé son servant, il lui a toujours appelé par son nom. Mais namu na komote ya. Somebody say amen. Bobanda jako ba amen. Ya, na basinga mo pe na sentir. Na mo na ndote, yo tato longwa kuno mwasi ko kote te. E bi na sentir pour la première fois na onction kote ya. I'm a preach. Bolo ba amen, eh? Bolo ba amen. Amen. Baby girls preaching here. Ba ko sanga na ko kote te. Onction nga na zozo skwa kote uti wapi. Ngai na le bibo e. Vous allez remarquer ezala Samuel. Le Seigneur Dieu lui a appelé Samuel. Samuel. Tokani. Ana kendaka koyebisa nzambe te na destin na pesa mwana kombo Samuel. No, she didn't. Moses. Ce qui botang na Bible, c'est Dieu qui a dit Moses. Moses. C'est moi, ton Dieu, le Dieu de tes ancêtres. Ce qui toktangi King David, c'est Samuel prophet mutakei kunanzamba lubi ye wana wendre ye. That's my king, the chosen one. You see, isn't that beautiful? Ekei nandenga zoloba dans le livre de Jeremiah, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta maman, je t'ai connu, je t'ai appelé par ton nom. Quand Dieu appelle, He calls your name. Il t'appelle par ton nom. Samuel. Samuel. You see. So, yozo kende na babulu yeke na yo keko luka elongi na nzambe, parce que tu ne le connais pas. Il n'y a que deux raisons pourquoi yebi yete. Na nu abengi yote, ou tu ne lui appartiens pas. Mais bien aimé, na yebisi bino awa, po bino bo nga kabatu bate bino ba miracle. N'ya rien de nouveau ezo salama oyo, nous étions déjà avertis ke linga ke salama boye. Toyokani, nous sommes à une période là où mwana na mwana kolakisa identité na ye. Toyokani, beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Ici. Mingi bakoyoka la voix criée sur la montagne. Toto landa, peu sont divinely blessed d'aller jusque dans la terre promise. Very few, the elected ones. Même Yesu, combien de fois quand il parle à lui, azo utiliser le terme les élus, les élus, les élus. When, quand tu as été divinely elected, à ta 100 ans après, parce que oyela kiawa, tu as une responsabilité qui t'a été attribuée. So then, moment viendra, Dieu t'appellera par ton nom et tu n'auras pas de confusion. You will know que Dieu est en train de t'appeler. Gonga ekoki. Toyokani, bao e bazo kendo kolukaye po baye biye. Mais ce que tu as dit, c'est que tu as dit 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 même si Dieu appelé, Wuta mutabanda ki por nani ki perroquet verbal. Bondoro bondolo chandala chandala. Bougoura bouche 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 chandala chandala. Osho mwana bandi bouche chandala chandala na boudombolo bondobolo. De pio bandi koro bayango. Muta tika la koro bate. Yes, Lord. Parce que nzamba zo sola na yete. Toka ni wande konanga. Bwendenge zalaka. Wuta. Pasteur a bandi, achandola bo chandala ba jabo jabo ja. Anchambola ba yalla ka ya shaka laka laka. Hein? Wuta bandi ko babilo ko ne wana. Oh, pasteur, quand est-ce que koloba yes, Lord? Pasteur a loba ka yes, Lord, te. Parce que dans son esprit, yoka ka babenga ka ete. He hasn't been called.
yango azoko kaka bushi 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 yo ulio comprendre que mais il y a encore des pères bandaki bilobela na ye na na monye sika e pandimi appel te andimi appel te po babengi ete babengi ye moko mi bimisa volontaire token bande konanga c'est comme ça tozali na batan moko no joke. Les bébés spirituels ne vont pas hériter les trois. Dans le baba okende, na dimension moussoute, parce qu'ils ne sont que ça, les bébés spirituels. Leur âme évolue. Tolanda. Bao wanande bazo koi samanabu pete nyonso. Dans un autre mot, c'est très facile de tromper un enfant que de tromper un adulte conscient. Spirituellement, it's the same thing. Quand on n'a pas l'esprit de Dieu en nous, parce que, écoutez, bande konanga, quand Dieu est en toi, akotika yo okoyisama na piège ya monguna te. No, he will always warn you. Yango boko moneza la na Bible là, c'est Dieu là a toujours établi une loi, une expectation. Ya koma boko tambola maintenant. Toyokani? Akotiko ka boete. Onabosa na ki epesu mutabenga ki Abraham. Abraham mutakende ko bengete. Ye mutabenga ki Abraham. So, je suis en train de dire que j'étais en train de dire qu'on a bungsi de nanga. Que quand l'Esprit de Dieu est en toi, comme il est l'Esprit de la vérité, beaucoup remarquez avec Dieu, il y a toujours la lumière. Et ça, le commencement, tant qu'on a causé la vie à être n'engue toye beliango, he begins par placer la grande lumière et les lumières, monsieur Suez la Kakuna, dans les cieux. Même Jésus-Christ, je suis la lumière. Obscurité, ezali ignorance. Realm, il y a ignorance et obscurité n'est pas realm de Dieu. Non. Le prince de l'obscurité, le prince qui règne dans realm, il y a ignorance, c'est celui-là que nous appelons le Satan. Parce qu'un homme ignorant est un homme qu'on manipule avec facilité. C'est ok, Nabino, hein? So, ce qui est moni que tu es l'enfant de Dieu, mozo zanga koe bako discerner la différence entre la voix de Dieu et la voix de Kadian Pemba. Revois encore ton identité, malamo, malamo. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas l'esprit qui cause la confusion. Dieu est clair. C'est ok, hein? Ce n'est pas toute église là où il se trouve. Ce n'est pas tout pasteur qui bâtit un temple que ce temple-là est dans la volonté de Dieu. King David n'était pas rejeté par Dieu, mais Dieu avait refusé qu'il y ait un temple. Il faut beaucoup discerner ma cambo. Naoutaki koloba ke bisonyo stu tozalia boy toza nzambe. We have been contracted na role moko toko jouwe. King David, role ne alibosom nene ezalaki kokweisa Goliath. Yami bale ezalaki kolonga babitumba po Israel bazala na kimia atanki une nation. C'était ça, the primary responsibilities ya King David. So masolo kwa kotonga temple, ezalaki na kontra amna yete. That is why, bien qu'il avait la volonté yote, yondo kotonga yangote. Par contre, King Solomon n'était pas un guerrier. Tokani, so chacun de nous a son rôle na par na ye. Moses par na ye ezalaki kokende ko négocier na Pharaoh, ko sala la premier exode. Joshua par na ye ezalaki parce que Joshua ezalaki guerrier. Ye ezali ko diriger bango vers la terre promise, dans la terre promise. Tozolanda. So, chacun de nous a son rôle. Ezala ba prophète, oh Ezekiel, Azaya, you know. Ogumona mutu na mutu na période na ye, responsabilité na ba pese ki avait un message particulier pendant cette période-là. Tant ne pese ke leki, prophète mususu ye pese la ki pe tour na ye. Te okani, donc, c'est comme ça na ba na nanzambe. Botiko, yezo aki kokufa po na biso batu ya mokili. Non, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Yezo a kiko kufela tout homme sur la terre, te. Si c'était ça le cas, alors ça sert à quoi de nous parler
de la rejection, des endroits de tourmentation. Right? Parce que si c'est vrai qu'il y a un peu de qu'il donne, chaque homme sur la terre est déjà sauvé. Mais ce n'est pas ça la vérité non plus. Où ta Bible? Quand il y a Adam et Eve, ceux qui te disent que c'est Dieu qui les a créés, mais Cain était rejeté de Dieu. Il était rejeté même de la présence de Dieu. Tokani. So, ce qui coûte qu'on a te bandit comme on a déjà séparation, ça m'a zéro kabola déjà. Why, au Kanisake, Yezoyaki, ce qu'on a unifié, descendance ya Cain, na descendance ya Seth, Baokena Lola. You know, ces deux lignes de Jamakila, Tokanakate, Wouta, Tokanga, histoire biblique. Tokanakate, yondom Toko, cela, nani unification, anatoana, milieu miaba. Et puis, galo bien. Dieu n'aime pas aucun de couper la cabane. Hier, c'est que quand vous voyez agence d'adoption, pourquoi ne pas couper la cabane bana ya Satano, ya kabongola mutema, zambalingio. Hier, zambe c'est que quand ça qui n'a pas ça adopter bana ya Satano. Bon, et moi qu'on a nous toi, bata tous à la combien t'es. Il est satisfait. Ce qui nous a amené que bah ouais, bah zamingité, à condition que tika kabatu tobo taka, poto koma pebele. Quand on lukela ka yebana uti kuvuta na bango sikipe wapi hotoke iko lukanza mbe na eglise omani bloko bana ngoba iko sala na eglise te tetang yo ke iko lukabana ya satan yo père ya badoption yo nde mutu mutema malamu yo nde mutu otondi bwanya yo nde mutu mela yesu yo nde mutu za unificateur omemeli biso bana ya satan dans l'église siko ba bongisi to ba baby si bazalaka ya biso te. Chacun n'a pas na ye. Toyokani, oui. Dieu, c'est le premier sépariste. Sépararistes, c'est le sépariste. Yaman. Bon, il y a un temps, ne vous mélangez pas avec eux. Ne prenez pas leur voix à ma mariage. Ne adoptez pas les dieux étrangers. Aso kabolat. Bon, on va dire que tu es un chrétien. Yango moni bozo mono nyons bozo mona. Désobéissance. Tika koya ko changer ka loi de la nature, loi que Dieu avait établie. La corruption humaine nécessaire makakala. Yo mutoka ko bongola yangote. Yanzambe baza ba rejeter bazali, Yezu akyo kufela ba rejeter te. Tozolanda. Mais comme tozala ki sous la dette karmique, ya péché ya premier homme. Il fallait qu'il foute à ce ransom-là dans le bac de la podcast. Que c'est à travers le péché, iniquité, transgression, que le Satan est justifié de porter le jugement dans ta vie. Toyokani, emso, Yesu Christo, selon Denginga ina comprendre, était venu for the sole purpose, yako so pa makila na ye, a futa ransom, po naba na yanzambe. Et le Satan ne plus justifié, il y a qu'à tenir moi na nzambe en otage ou d'apporter une accusation contre nous. Ndebo mona kabiso bana na nzambe tolobaka, je suis libéré. Tozolanda que Jésus-Christ a payé mon ransom, que il m'a donné la rédemption. Et comme lelo loko la ba phrase kaka ndengwana ndengwana bana ya kadia mpemba Yesu akufaki pona biso batamuki. You ought to be ashamed of yourself. You know darn well, dans ton cœur là, que Yesu na yo boye banakate. You know, que indongo zana Yesu ki ofuta masumu na ata makote. Oza comme ton père le Satan, le menteur de l'ancien temps. Pourquoi ni kokota na masolo batundengi oyo? Baye ba se camoufler. Oh Yesu akufaki pona biso nyonso. He helped them, no, no he didn't. Yo mwana na nzambe ya solo, yonde ilfala kwa lo baka frazon avec toute fierté. Yezu ye moko azoe sa Satan, tu n'as rien en moi. You know why? Parce que Yezu abotem à travers moi si. Il n'est pas venu na nzela ya mobali ki pote le X, le Y, sur la condamnation de premier homme. Ne suivez pas Yezu Christo. Ce lien là a été rompu. Te okani? And so, yo mwana na nzambe tangu Yesu sikoyo comme maintenant il était bien positionné écoutez ça Satan que Satan ko ki kotenir nga donc tobo Satan za na jugement ta moko sur nga ite ndelo ko Yesu azo batanga bitu na rien sur moi
Donc, Satan, c'est qu'il n'a pas t'a porté jugement contre Yesu parce que Yesu n'était pas sous la loi. Il y a dette karmique là qui porte le X et le Y. Ou qui est porté. So, yo, moi, dans la zamba, solo fierté, na ezali na koye bake, Yesu a kendaki ko futa na makila na yepo na yo, so le Satan n'a pris un jugement sur toi. Azalakasu justifié te, ya pourquoi a réclamé yo. Mais cette loi-là ne s'applique pas na bana na ye. Bo itize ka ba bongo na bino ka simplement, même pour deux minutes, bo mouna ke, ndenge na lubi bozan a raison. Soyez prudents. Entrez dans la parole. Naïf Sakabino, chaque fois, get in the word. Ba chrétien. Ici, je parle de chrétien, veut dire, bo penza balanda Yesu Christ, bo yanzambeko. Y'all bozo kwe sama, parce que boza ba paresse spirituel. Y'all don't want to read the word. Bon, ki kotanga li lobate. Est-ce que oza analfabet? Get in the word. Bolingi kotanga Bible te ango bozo mona quand ces aventuriers viennent vous manipuler, bozo kweisama, on vous séduit parce que vous n'êtes pas bien aligné avec l'esprit de Dieu. Mais sous super bozo ye ba ko reconnaître la voix de Dieu te parce que tu es à côté. Ndeko nangai nangi na sili saboye. Positionnement, ezal kambia blague te. Boyebi King David, boyebi kaka listola yena Bathsheba, non? Mais boyebi pourquoi a se retrouva ki na koneri wana? Armene ba kei na guerre. Il devrait être na guerre. King David, sa nature, il était un guerrier. Un grand soldat de Dieu. Mais Nathan ou ya bitumba, King David est resté. Na kotika la ya tikala ki ndaye komona Bathsheba. Bathsheba était toujours allé toujours prendre son bain en ce moment-là. Mais ce que King David était là où il devrait être dans le champ de bataille, alinga kaza la présente pas mona Bathsheba. Toyokani yo mwana na Nzambe et na pese exemple à King David pour montrer que il est un roi que Dieu a beaucoup aimé. Mais quand il s'est mal positionné aye ko kweisama. Péché se présenter et zuye Pascal Zaki Kapé Moto. Donc, Botiko, toza batou la chair est faible. Tout ça, les ali ba matéya ya ba con. Ba komakako, toza batou, toko kwe se mi faut prier pour vos pauvres. Non, toi, l'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais au lieu d'être dans la champ de bataille? Toi, tu n'es pas là, tu te positionnes là où tu deviens susceptible na ba tentation. Et quand tu vas tomber, Olobanabato, basambele la yo, ozamwana nazam. King David akoyaka, ça n'a pas empêché Dieu de lui punir. Teokani, faut être réaliste dans la vie. Quand tu te positionnes mal, okoyisamizamba lobanine. Oh, la chair est faible. Bon, King David, la chair est faible. Je te pardonne, ma solo sili. Dieu peut pardonner, mais il y aura toujours les conséquences na péché yo sali. Parce que c'est un Dieu juste. S'il cesse de châtier ses enfants, alors où est sa justice? Parce que l'homme physique, c'est vrai, il est bound yako kweisama, mais c'est pour cela Dieu te redresse. Mais binabolo bakateko tete kako jije baza akweisami azamutu tout ça là bao nazola, je parle aux enfants de Dieu. Ce sont les langages, il y a ban, il y a prince de ce monde, en train de vous induire en erreur. Dieu est un Dieu juste, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu de la loi. Botiko, yezo akufa ki apesi biso grâce, la grâce de Jésus n'est pas égale que yo banda ko dévier la présence de Dieu, parce que yezo akufa ki po apesa yo grâce. It don't work like that. Pour ceux qui bongon de ba chrétien ba kufa kate. Ceux qui bongon de chrétiens be la katen de ma be comme la ka chrétienté. Et comme ka parce que nous avons toujours une loi à suivre, le principe y a observé. Yo le ki King David te. Talanzamba zo kwa ko s'approprier personnellement le bi le roi selon le cœur de Dieu. Mais combien de fois il a châtié King David depuis d'une manière humiliante, hein? King David écoute Nzamba Dylan est toujours dans manière publique humiliante. Et c'est qu'il y a tant qui privé, oh non.
Loi à privacy ne s'est pas appliquée à King David. Il y a pensé, c'est là qu'il pensait à la portée de tout le monde. Donc, de konanga, King David a lobby, Dieu ne delight pas dans le sacrifice, dans l'offrande, mais dans l'obéissance. Obéis, mibe konanzambe. Reste dans la présence de Dieu. Ce qui oyakia peut-être ôté ya tout quoi que soit, le moment viendra and you will know. Toyokani, arrêtez ya cause la dougou en train de suivre bafo matea oyo ya dernier jour, ya dernier temps, ya dernière saison. Batu oyo bazali na last legs na bango. Baza na suka normalement. Bazo beta biso frappe à suka. Denge baza. Et puis baye biango, ke ton na bango comme kouya na kosuka. So baza na état ya désespération and they're trying really hard. I mean, ba koti partout dans des églises, dans des écoles, partout, partout na ba bureau, they're trying really hard. Mais yo fe gaffe. Oya ko kendo ko kweisama na masumu ya bana ya prince de ce monde te. Même mbano o est réservé pour nabango. Normalement, le jugement dernier est à yo mwana na nzambe te. Teokani, parce que King David a choisi de pécher, mais la mort va se repentir. Yo mwana na nzambe, quand tu pèches, normalement tu devais te repentir immédiatement et Dieu tourne la page et apprend et ne pêche plus. Mais le jugement est réservé pour les méchants. Mais sokozo kende ko kota kaka na banzela na bango. Keba, yo pouwa ko konetre même sort réservé na raswana. Toyokani, voilà. Pona lelo na mwento ko suki sawana, j'essaie de simplifier les choses. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Restez dans la présence de Dieu. Entrez dans la parole. Deux choses. Reste dans la présence de Dieu. Zala na katia parole. Bitumba, eza makasi. Zala na front. Mais ebundela mwana na nzambe, c'est la parole de Dieu. Tika koza la paresse fandi na kati ya vila na yo mitalio. Tango komona bashiba, koya wati ba piejenga, iba piejenga, ba pejote, you weren't where she's supposed to be. You see? Ta pensée, tu t'es laissé aux alamporter na ba distraction. L'ennemi ne peut jamais te tenter quand tu es dans la présence de Dieu, je venais de le dire awa. Tu n'as qu'à te dévier de la présence de Dieu, c'est là où le Satan t'attend. Tolandi banananga, et dans la formule magique que tu as dit, c'est simple que ça. Dans la présence de Dieu, sous la protection de Dieu, le Satan ne peut pas venir te prendre pour qu'il ne te tente. Non, non. Tu as piégé. Quand tu t'éloignes de Dieu, distraction. Il y a autant de tentations, il y a des pièges, il y a des choses qui sont discernées. All right. Love you all. Bye.